Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette journée. On va y aller avec la cartomancie, on va voir un petit peu l'énergie et on prendra après le tarot et les oracles et on viendra aussi guiner quel en est leur message pour nous. C'est parti avec la cartomancie, on va regarder un petit peu les messages. Ici, on nous parle de réaliser ici un projet qui est important pour nous, avec ici peut-être quelqu'un de physique qui nous protège. Donc, c'est où vous êtes dans des ambitions nouvelles en début de cette semaine pour certains d'entre vous et on vous coach. Mais il se pourrait aussi que vous-même vous coachez peut-être un de vos enfants ou un ami ou quelqu'un qui vous est cher par rapport ici à une réalisation professionnelle. Donc, peut-être quelqu'un qui démarre dans un nouveau domaine et que vous accompagnez cette personne. Ici, on est dans la réalisation, dans la réussite. Peut-être aussi que pour certains, il y a des examens, il y a des réunions auxquelles vous allez devoir être présent. Vous allez peut-être devoir ici vous présenter, prendre la parole. Mais on vient ici vous dire que si vous devez prendre la parole, que si vous devez peut-être exprimer votre vision des choses pour que ce soit accepté ou approuvé. On vous dit ici que tout va bien se passer. D'accord? On le voit là. On a ici une protection maternelle qui n'est plus de ce monde par contre et qui est de l'autre côté du voile. Et on voit que c'était une personne féminine assez dominante. Vu qu'elle a ce bâton qui est présenté un petit peu la tête en bas, donc quelqu'un qui était assez clair dans ses idées, dans ses propos. Peut-être une personne ici très indépendante dans sa vie, en tout cas dans son vivant, quelqu'un de très indépendante, mais de quelqu'un de très réfléchi. Donc, cette personne, si tu vois de qui je parle, c'est quelqu'un de féminin, d'accord? Et si j'écoute, c'est une personne qui portait toujours un chignon serré. Hein, vous comprenez direct, les cheveux tirés en arrière et très serrés. Vous comprendrez direct de qui je parle. Et on voit que cette personne, eh bien, elle est près de vous vu qu'on vous parle ici de questionnement par rapport à un projet dans l'avenir. D'accord. Donc, on voit qu'on est beaucoup dans la réflexion, dans la projection. Et pour certains, ben, pour l'instant, ben, vous devez juste poser vos idées, réfléchir, poser sur papier ou autre. Et on voit que cette énergie féminine, elle est très présente auprès de vous. Il se pourrait ici que vous lui ressembliez énormément ou par votre manière d'être physique ou alors le caractère. Mais on voit que c'est vraiment une facette de vous. Cette énergie, on est fier. En tout cas, c'est le message qu'on pourrait ici le transmettre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on nous parle d'une guérison par rapport à une situation. Il se pourrait que ce soit une séparation, un divorce ou quelque chose dans ce style-là. On voit qu'on ne comprenait peut-être pas les discussions, on comprenait peut-être pas le pourquoi du comment de cette séparation, de cet éloignement. Et là, on voit qu'on a la guérison, en tout cas là-dessus. Donc, je pense que ben, le temps a fait aussi son œuvre et puis que vous avez pu peut-être pour certains en discuter ou alors vous allez en discuter par rapport à une situation qui vous a été un peu compliquée. Enfin, discuter d'une séparation qui vous a été compliquée à vivre. Ah, on va y arriver, je suis désolée. Entre le message, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Des fois, je me demande combien on est dans la tête. Qu'est-ce qu'on a ici avec la tasse? Alors, ici, il pourrait avoir une sorte de rabaissement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir oppressé. Vous allez vous sentir menacé peut-être durant cette journée par quelqu'un qui se prend un petit peu pour votre supérieur, d'accord? On voit que cette personne, elle est un petit peu dans une passe un peu compliquée puis qu'elle se décharge sur vous. Donc, si c'est le cas, il est peut-être nécessaire ici juste de remettre un petit peu les pendules à l'heure, d'accord? Parce que vous n'avez pas à subir son mal-être. Donc, faites attention à ça.
Alors, ici, on voit ici, on a des documents, donc j'arrive pas à déchiffrer comme il faut parce qu'on a la clé, donc on sait que c'est favorable. La clé est par rapport à l'acquisition d'un bien matériel, donc pour certains, vous êtes dans des démarches à ce niveau-là, donc pas d'inquiétude. Pour d'autres, eh bien, vous allez peut-être recevoir les courriers. Un courrier, c'est ce jour ou ces prochains jours pour une invitation. Il se pourrait que ce soit pour un mariage ou alors on vienne ici vous annoncer la nouvelle d'une naissance à venir ou alors le baptême, ça c'est aussi possible. D'accord? Ça c'est quelque chose qui est en cours de téléchargement, comme je le dis, donc c'est quelque chose qui viendrait dans les jours ici à venir. Est-ce que j'arriverai à donner une date? Non, pas. Le 8, on est aujourd'hui le 8. Non, je peux pas vous donner. Enfin, oui, ce pourrait que ce soit aujourd'hui, hein, vu que je vous fais toujours la guidance aller pour le lendemain, mais. Bref, là je pars dans mes propos à moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on vous demande d'être attentif à tout ce qui est heure miroir. On voit que vous faites des rêves assez, assez réels. Je pense que vous comprendrez quand je vous dis ça. On vient ici essayer de communiquer à travers les rêves avec vous. Donc, faites. Prêtez-y un peu plus attention, notez sur un papier, mais autant on est sur les heures miroirs. Non, il n'y a pas d'heure inversée, on est dans des heures miroirs. Ouais, pour ceux et celles qui comprennent ce que je dis, ben, prêtez-y un peu plus attention. Notez sur un papier vos rêves. Et puis, si vous n'arrivez pas à vous en rappeler, buvez un grand verre d'eau avant d'aller au lit. Et puis, logiquement, quand vous vous réveillez pour aller vider la vessie, vous êtes encore dans l'intermédiaire des deux mondes. Et puis, vous arrivez, vous y êtes encore, vous avez encore cette mémoire. Et vous pouvez après tout exprimer sur un dictaphone ou quelque chose comme ça. Le téléphone, ça va très bien. Mais on essaie de communiquer avec vous, de vous orienter, de vous guider. On voit que pour certains, vous êtes en train de faire un protocole sur papier. Peut-être que vous posez par rapport à ce que vous avez envie de faire, par quoi vous allez commencer. Ou alors peut-être que vous posez un petit peu sur papier ce que vous aimeriez faire, mais rien de tellement clair vu que vous êtes complètement paumé. Ben voilà. On essaie de vous répondre à travers les rêves, donc faites un peu plus attention. Ça, j'ai dit là-bas, je vais pas me répéter. Après, vu qu'on est avec l'étoile, on nous parle aussi d'une protection. Je l'ai dit de l'autre côté, mais il se pourrait aussi que pour certains, eh bien, vous soyez dans l'attente de recevoir des courriers. Et puis que maintenant, bah, vous êtes en train de regarder comment vous pourriez faire si jamais la nouvelle est désagréable, défavorable. Voilà, on vous dit que c'est plus favorable que défavorable. Donc. Et ici, on a des pourparlers. Ouais. Sincèrement,
Les petites pauses, je ne vais pas me répéter parce que là, on allait pourparler par rapport au domaine professionnel et on le retrouve ici aussi. Donc, je vais pas me répéter. Mais par rapport à ça, si je peux me permettre, pour ceux et celles qui sont en train de grader dans l'entreprise et qui avaient dû peut-être faire certaines démarches pour pouvoir évoluer au sein de votre entreprise, on a ici des discussions qui sont en train de se faire. Pour voir si c'est vous qu'on va choisir, si c'est quelqu'un d'autre. On vous demande ici de faire attention à vos arrières. On essaierait peut-être de vous faire trébucher, mais voilà, ça c'est un petit peu une logique entre guillemets, mais on voit qu'il y a de la jalousie, il y a de la traîtrise, donc faites attention quoi. Essayez d'en parler le moins possible. Dites rien autour de vous si vous avez postuler pour grader au sein de l'entreprise. Des fois, c'est mieux de se taire, de faire ça en douce, même si à un moment c'est mal pris, mais on s'en fout. Parce que là, c'est important d'évoluer. Et puis, ce que les autres, ils vont en penser, on s'en fout. Parce qu'à part de la jalousie, il n'y a rien d'autre. Et puis là, on voit un petit peu les conséquences. C'est qu'il y a des clans qui sont en train de se faire. Et puis que vous êtes un petit peu. On vous sort un petit peu du lot, on vous sort un petit peu de ce clan parce que ben vous avez peut-être décidé de prendre un poste et puis que ce poste il était déjà convoité par quelqu'un d'autre. Et puis vu qu'ils ont un petit peu cette appréhension parce que intérieurement ils savent qu'ils ne font pas le poids face à vous. Donc voilà, ça crée déjà certains tiraillements et on pourrait très bien s'en passer. D'accord. Alors, pour ceux et celles qui sont juste dans l'élan de postuler au sein de l'entreprise pour grader, faites cela, mais n'en parlez pas. D'accord? Pour ceux et celles qui ont déjà trop parlé, ben, si vous êtes un petit peu exclus, c'est normal. C'est que ben, vous êtes quand même une personne avec un grand charisme et puis vous faites peur parce que sinon, on ne vous mettrait pas comme ça de côté. Vous faites de l'ombre. Tout simplement, ils font pas le poids à côté de vous, quoi. Tout simplement. Donc, vous êtes exclu, prenez-le comme quelque chose de positif et non pas négatif. On y va ici avec le tarot. Quel on est sans conseil aussi pour la journée. On nous parle de recevoir ici une proposition, une nouvelle qui va être ici agréable, vu qu'on vient ici nous faire une proposition ou par rapport à un plan professionnel, ou alors une proposition par rapport peut-être à une relation, amitié ou quelque chose dans ce style-là. Vu qu'on est ici avec un 3 de denier, on nous parle ici de courrier d'échange favorable qui viennent justement enlever ce manque de stabilité, ce manque d'équilibre, en bien sortir ici d'une instabilité. On continue. On a ici ce 5 d'épée. Donc, on voit que on vient un petit peu nous mettre les bâtons dans les roues par rapport à cette journée. On vient ici nous mettre les bâtons dans les roues par rapport à une personne ici du même sexe que le vôtre qui vient vous mettre ici un petit peu dans le doute par rapport à ce que vous essayez ici d'entreprendre. Un effet un petit peu colérique. Faites attention à ne pas vous prendre la tête avec une personne du même sexe que vous seulement parce que, eh bien, vous n'avez pas les mêmes propos que cette personne, la même visualisation que l'autre personne, et puis que l'autre ne comprenne pas que vous ne voyez pas les choses de sa même manière. Donc, ça sert à rien de se péter la nénette, comme j'ai dit. Vous faites oui. Ah, et puis vous reviendrez sur la discussion un autre jour parce que la personne, elle n'est pas du tout prête à accueillir ce que vous allez lui dire. On continue. On nous parle ici d'un projet sur un plan ici professionnel. Par contre, on a ici dans la finalité d'un projet que vous avez entrepris. La seule chose ici qu'il faudrait peut-être faire attention, c'est tout ce qui est en documentation, tout ce qui est paperasse, donc tout ce qui est démarche que vous avez entreprise par rapport à un domaine de carrière ou l'acquisition d'un bien matériel et tout ça, vous êtes dans cette finalité. Vis-à-vis de ça, on vous dit de faire attention à tout ce qui est document. Faire les choses dans les règles de l'art. Il y a un protocole quand on est dans l'acquisition d'un bien. On doit suivre peut-être, je n'en sais rien, comment je pourrais dire ça? Il y a
Il y a des assurances à avoir, il y a une sécurité, il y a des étapes qu'on ne peut pas passer. Hein, il y a des contrats à faire, il y a des choses dans ce style-là. Donc, on est dans cette énergie-là maintenant, de finaliser ce projet-là en faisant justement les papiers, les documents comme il faut. Pour pouvoir ici, après, démarrer en tant qu'indépendant ou alors en tant que voilà, propriétaire ou quelque chose dans ce style-là. C'est assez bon art, en tout cas, les énergies pour cette journée. On y va ici avec la triade. On va regarder un petit peu le côté sentimental, si vous le voulez bien. C'est parti, premier message. Ici, on nous parle d'un retour d'une personne négative dans votre entourage sentimental. Faites attention, il se pourrait que pour ceux et celles qui ont décidé de mettre, qui ont décidé de mettre un terme à une relation, il se pourrait que l'autre essaye ou de vous salir ou alors de revenir pour, voilà, pour vous embêter plus qu'autre chose. Donc, on fait attention à ça. On continue, on a ici la personne féminine et l'élévation. Il se pourrait ici qu'une personne féminine de votre entourage proche ou vous-même, vu qu'on est ici dans du sentimental, soit dans une nouvelle relation, en tout cas dans un accroissement de la relation. Il se pourrait que ce soit ou une nouvelle rencontre, ou alors que ce soit ici des projets avec l'autre, mais on est dans cette finalité de vie normale. C'est une logique, d'accord? Il n'y a pas d'incertitude. Ça coule de source, d'accord. Donc on voit déjà que cette personne elle est épanouie et puis qu'elle est sur la continuité de son équilibre, donc tout va bien. On continue. On a ici le 5 de coupe et l'amour. Il se pourrait ici que sur le plan sentimental, on fasse ici la paix avec sa douce moitié. Tout simplement, vous étiez pris le chou, mais voilà, pas d'inquiétude. Après, vu qu'on est aussi sur le côté sentimental, familial et relationnel, il se pourrait tout simplement que vous soyez un petit peu pris de bec avec une personne qui est chère à votre cœur. Vous êtes un petit peu, vous avez mis un petit peu de distance parce que voilà, vous étiez chacune contrariée dans votre coin ou chacun contrarié dans votre coin. Et là, on voit que ben, vous êtes tellement attirés l'un vers l'autre, que même ces prises de bec ne peuvent pas vous séparer parce que après un moment, ben, on a besoin de l'autre et voilà. D'accord. Donc ça, c'est des relations véritables, c'est vraiment un amour, un couple véritable et aussi une relation amicale aussi véritable. On continue. On voit ici que pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de questionnements par rapport à une situation qui vous a meurtri. Il se pourrait que ce soit une trahison ou alors un manque de confiance, quelque chose ici qui a été trahi. Et puis maintenant, on se pose la question par rapport à qu'est-ce qu'on va décider. On ne sait pas, est-ce qu'on pardonne ou est-ce qu'on arrive à passer outre ou alors est-ce qu'on décide de mettre un terme ou de s'éloigner ou voilà, de terminer ici quelque chose. Vis-à-vis de ça, on voit qu'on est beaucoup dans des incertitudes. On vous demande ici tout simplement de laisser poser les choses, de laisser le temps. Et après, vu qu'on est ici avec la paix, je pense qu'on ne parle pas tellement ici de séparation, mais laissez le temps, les choses elles vont ici rentrer dans l'ordre. Peut-être qu'il est nécessaire ici de comprendre le pourquoi de la réaction de l'autre ou de l'action de l'autre pour après pouvoir prendre une décision. Donc là, pour l'instant, je pense que c'est la colère qui ne laisse pas avoir les idées claires. D'accord? On continue. On a ici l'âme et la foudre. Donc là, clairement, il se pourrait que il y ait une séparation pas volontaire, vu qu'ici on nous parle d'un deuil. Donc il se pourrait que pour certains qui se comprennent dans ce que je dis là, ben, pour l'instant vous n'êtes pas du tout prêt à une nouvelle relation. Ce qui est important ici pour vous, c'est encore de sentir l'être aimé qui est parti de l'autre côté du voile et qui est présent. Mais peut-être qu'il est nécessaire ici Il est nécessaire de rien du tout parce qu'un deuil, c'est chacun qui le vit à sa manière et il faut le temps. C'est tout.
Si je peux ici vous dire quelque chose, alors oui, cette personne vous a été arrachée du jour au lendemain, vous y attendez pas du tout, hein, vice-versa, hein, tant vous pour elle que elle pour vous, hein. Mais sachez une chose, c'est que cette énergie, elle est présente, elle est proche de vous, et puis pour l'instant, bah, à part calmer un petit peu cette séparation, il n'y a pas de mots, quoi. D'accord? Donc, il y a un deuil ici à vivre, et voilà. On continue. Tentation et ici la bénédiction. Là, clairement, pour certains, vous allez peut-être voir quelque chose dans une relation proche de vous et ça va vous... Il y a quelque chose qui ne va pas jouer. D'accord? On voit que cette personne, eh bien, elle n'est pas réelle, elle n'est pas vraie, elle joue un rôle. Et vous allez, à travers peut-être une manière de, je sais pas, un exemple ou quelque chose comme ça, eh bien, en exposant l'exemple que vous allez donner à cette personne, eh bien, vous allez comprendre qu'elle n'est pas du tout réelle, qu'elle joue à un double jeu. D'accord? Et vu qu'on est ici sur le côté sentimental, ben là, clairement, ben, on prend conscience que cette personne est bien trahie, ou vous trahit, ou trahit un membre qui est cher à votre cœur. Et là, ben, c'est... Voilà, si on met en évidence ça, ça veut dire qu'on vient dire, t'as la chance de ne pas finir ou de continuer une vie avec quelqu'un de négatif et puis qui te ferait souffrir ou quelque chose dans ce style-là, d'accord? Donc, une tentation, quelque chose de négatif qui vient mettre en évidence le positif à venir surtout, hein, d'accord? Exactement. Merci. Donc voilà les petites pousses, un petit peu les énergies pour cette journée. J'espère qu'elles vous parleront en tout cas. Dites-le-moi en commentaire. Et puis on va finir ici avec l'oracle des licornes. On va prendre ici quelques messages. Donc ici, il y a une première qui est tombée, c'est la confiance. On te dit ici sauter pardon, dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant et vous allez vous envoler. Je pense que pour certains, vous avez besoin de ce lâcher prise total. Advienne que pourra, mais c'est très bien des fois. Ici, on te parle de patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance. Le divin, pardon, je vais y arriver, hein, sérieux, je crois que j'ai trop parlé ce matin. Le divin a son propre tempo et soyez patient et en attendant, amusez-vous. Donc, on a ici la confiance, sautez dans l'inconnu, mais on te dit ici, faites une pause, réfléchissez avant, hein, d'accord? Donc, les deux ici sont assez de mèche. On continue, on te parle ici d'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez les outils divinatoires pour prendre des décisions et fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Je crois que là, on a déjà tout dit, il me semble, hein? Confiance, patience et intuition. Hein? Cette petite voix intérieure, hein, des fois qui vous fait prendre des directions qui vous comprenez pas sur le moment, mais après vous faites heureusement que je l'ai écouté. Le petit doigt m'a dit que, hein, ça c'est très bien. Écoutez le petit doigt, si on avait deux, sans compter les orteils, mais j'arrête. J'arrête de vous embêter. Je suis toujours en train de vous enquiquiner, mais c'est. Qui aime bien châtie bien, n'est-ce pas? Bon, allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos abonnements, vos messages, vos prises de rendez-vous et surtout votre confiance. Merci infiniment. Et puis, que vos anges et vos guides veillent sur vous et vous ouvrent les portes. Allez, je vous embrasse à demain. Gros bec.